Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, a dans une déclaration adressé ses chaleureuses félicitations à Tiémoko Mele pour sa nomination au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Le RHDP adresse ses chaleureuses félicitations au nouveau vice-président et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions, aux côtés du président de la République, a déclaré le ministre Kobenan Adjoumani dans le communiqué publié ce mardi. Vice-présidence, le RHDP se réjouit de la nomination de Tiémoko Mele au nom du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dont il est le porte-parole. Le ministre Adjoumani a adressé ses remerciements au président Alassane Ouattara pour la nomination de M. Koné Melia Tiémoko, en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. L'ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, souligne le porte-parole du RHDP, est une personnalité intègre, aux compétences reconnues et précédée d'une réputation et d'un parcours professionnel exceptionnel. Anciennement gouverneur de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, Tiémoko Meilete a été désigné vice-président de la République de Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara, mardi 19 avril dernier, lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le VP Tiémoko Mele Koné a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées dans l'administration publique. Le VP Tiémoko Mele Koné a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, a l'occasion déclaré chef de l'exécutif ivoirien. Le nouveau vice-président ivoirien, faut-il le rappeler, a prêté serment, le mercredi 20 avril 2022, devant le Conseil constitutionnel et sur l'honneur, de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de sa charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du président de la République. Lire aussi Côte d'Ivoire. Tiémoko Meilete Koné, nommé vice-président de la République économiste de formation, le nouveau vice-président ivoirien est né le 26 avril 1949 en Côte d'Ivoire, précisément à Tafiré, ville située au centre-nord du pays, dans la région du Hambol, Kassiola. Marié et père de 5 enfants, il a après ses études supérieures en sciences économiques, finalisé sa formation financière et monétaire au centre de formation de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest de 1973 à 1975 ainsi qu'à l'Institut du FMI à Washington en 1979. Intégré dans le corps de l'encadrement supérieur de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, il a occupé les hautes fonctions dans l'institution communautaire.